La duchesse de Cornouailles est aujourd'hui devenue la première marraine d'un centre pionnier qui soutient les victimes d'abus sexuels. Camilla, qui a défendu les organisations caritatives contre la violence domestique, soutiendra le refuge de Mirabel à Lagos, au Nigeria. La plus jeune victime d'abus soignée dans le premier centre de ce type du pays à 3 mois et la plus âgée est une femme handicapée de 80 ans. La duchesse a déclaré. C'est une organisation vraiment pionnière, qui soutient les victimes de viols et d'agressions sexuelles dans leur quête de guérison et de justice. Leur travail vital signifie que les femmes n'ont plus besoin de souffrir en silence et je suis profondément reconnaissante envers tous les merveilleux employés et bénévoles de Mirabel. En 2018, la duchesse s'est rendue au Nigeria avec le prince Charles et a participé à une discussion organisée par le Women of the World Festival. Lors de la visite, elle a déclaré. Les femmes se réunissent pour discuter de choses qui les concernent donc je pense surtout ici au Nigeria, c'est un endroit fantastique pour commencer. Plus de 6450 survivantes d'abus sexuels, dont des personnes handicapées, ont été aidées par le centre qui offre des services de soutien médical et psychosocial gratuits. La duchesse a consacré son temps à briser le tabou autour de tels abus en visitant des refuges et des centres de soutien à travers le monde. Elle est devenue la marraine de l'association caritative britannique contre les abus domestiques Safe Live en 2020. Itoro Ezanaba, qui a fondé le centre en 2013, a déclaré. Nous avons suivi son travail avec des organisations caritatives travaillant dans le domaine de la violence sexuelle et sexiste et avons vu à quel point la duchesse est passionnée et engagée dans le soutien aux survivants. Point. La crise du Covid avait, en plus, révélé le caractère endémique des violences sexuelles. Nous avons vu un grand nombre d'enfants et de femmes signaler des cas d'agression sexuelle et de viol. Nous sommes convaincus que le soutien de la duchesse fera une différence. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.